Monsieur le ministre, vous êtes venu ici sur Maubeuge, la mairie, bientôt au commissariat d'Aulnoye. Vous annoncez des effectifs en plus. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? D'abord, je ne vais pas répondre à votre question parce que si on réduisait l'action des forces de sécurité et de la sécurité à la seule question des effectifs, je dirais que ça ferait longtemps qu'on aurait réglé les problèmes de l'insécurité dans ce pays. Je pense que les effectifs sont un moyen, et je vais les évoquer, mais ils ne sont pas la seule façon d'agir. Ce qui compte, et on le voit ici, c'est qu'on a une mobilisation des élus, d'abord, mais aussi de la police sous tous ses services, de la justice, des bailleurs sociaux, de tous les acteurs qui portent l'action au quotidien dans la commune, qui ont la volonté de se battre pour ce territoire et pour faire en sorte que la République soit partout chez elle. Oui, il y a à Maubeuge, comme partout en France, des quartiers où la République a cédé le pas. Et je n'entends pas accepter cela. Et c'est pour cela que, en venant ici à Maubeuge, je savais m'appuyer sur du volontarisme, un endroit où il n'y a pas de résignation, un endroit où on a envie de se battre pour faire en sorte que chaque mètre carré, chaque cage d'escalier soit reconquise en faveur de la République. Et donc, j'ai proposé aux élus locaux de construire avec eux un projet de reconquête républicaine. J'ai proposé que dès l'année prochaine, et que nous puissions agir dès le début de l'année, nous choisissons ce territoire pour en faire un quartier de reconquête républicaine. 15 aujourd'hui sont opérationnels en France. Celui-ci viendra compléter le dispositif avec 15 autres en début d'année prochaine. Et donc il y aura des effectifs supplémentaires. Monsieur le maire m'a dit qu'il fallait 10 à 15 policiers supplémentaires. J'ai répondu banco. Nous allons doter ce territoire de 10 à 15 policiers supplémentaires en fonction des sorties d'école. Mais nous n'allons pas faire que cela. Nous allons travailler sur des dispositifs innovants en matière de lutte contre les trafics. Parce que, et on a pu le voir dans le tour d'horizon, il y a aujourd'hui des difficultés sur les trafics, des trafics qui se développent, à la fois du petit deal quotidien dans la cage d'escalier, mais aussi des filières. Nous devons lutter contre cela. Et je propose des dispositifs qui vont associer en permanence le préfet et le procureur de la République, la procureure ici, pour avancer sur ces sujets. Et puis d'autres dispositifs en lien avec l'école. Le président de la République aura l'occasion de s'exprimer dans les heures qui viennent ici aussi à Maubeuge sur ce lien massif. Et puis au fond, construire un projet territoire par territoire. Je ne souhaite pas avoir une politique de sécurité qui soit décidée place Beauvau par le ministre de l'Intérieur et les équipes qui l'entourent. Pourtant, j'ai des équipes formidables, mais je souhaite qu'on fasse confiance au territoire. Et que là aussi, la reconquête républicaine, elle passe par du dialogue avec les habitants. Je sais la rupture qui existe entre nos habitants nos forces de sécurité. Eh bien, je souhaite qu'on puisse retrouver du dialogue. Je souhaite qu'il y ait des instances partagées qui associent les associations de quartier, les parents d'élèves, tous les acteurs. Et qu'on puisse définir ensemble les bons outils. Et que ce soit ces bons outils qui soient mis en place. Ça peut être des brigades VTT. Si ça fonctionne, faisons-le, soutenons-le. Ça peut être d'autres formes d'action, nous le ferons. Donc voilà, ce que je propose aux élus de ce territoire et aux maires en particulier, c'est de mobiliser tous les moyens de l'État, parce que l'État doit revenir sur ce territoire, dans tous les quartiers. Vous parlez de dispositifs particuliers pour lutter contre les trafiquants de drogue, notamment. C'est quoi, concrètement? C'est une cellule qui va réunir mensuellement le préfet, le procureur, et qui va travailler sur les questions du renseignement avec l'ensemble des acteurs de la sécurité publique et du ministère de l'Intérieur, évidemment, pour qu'on puisse faire là aussi des enquêtes très différentes dans la méthode et adaptées aux situations locales. On avait jusqu'à présent une criminalité qui était organisée, je dirais, par spécialité. Aujourd'hui, on a une criminalité qui est plus horizontale dans son action. Et donc, du coup, il faut du dialogue et des moyens d'investigation sur lesquels je ne souhaite pas forcément revenir et les évoquer, mais sur lesquels nous allons mettre des moyens supplémentaires. Le renseignement, c'est quelque chose de majeur. Ces dernières années, nous avons tourné essentiellement le renseignement, principalement, pas essentiellement, vers la lutte contre le terrorisme, qui reste un sujet important. Il nous faut aussi reconquérir des moyens sur le renseignement quotidien. Et ceci, le renseignement, c'est le maire, c'est la police municipale qui peut aussi jouer un rôle déterminant sur ces sujets avec lesquels nous souhaitons travailler. Quel est le calendrier un peu de ces mesures? Écoutez, je pense qu'on a un sujet sur les effectifs, c'est la sortie d'école par rapport à la formation, donc ce sera dans l'année qui vient. Mais par contre, sur les outils que j'ai évoqués, on peut les mettre en place très tôt. Donc j'ai demandé à monsieur le préfet de veiller à ce que ces outils soient en place le plus vite possible. Vous avez ici un sous-préfet d'arrondissement particulièrement engagé qui a présenté déjà l'action qui se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas choisi ce territoire par hasard. C'est parce que je sais que ce territoire a le potentiel, la volonté, l'exigence de cette reconquête républicaine.
et que si je venais face à un territoire endormi sur ces sujets, le fait de rajouter des effectifs ne porterait pas ses fruits. Mais c'est parce que je sais qu'il y a cette énergie, cette volonté, que l'État présent, répond présent et que l'État est aux côtés des élus et des acteurs locaux. Le dispositif dont vous parlez va bénéficier à un quartier en particulier ou c'est étalé sur toute la ville ? On va identifier avec les élus locaux les territoires principaux sur lesquels il faut agir. Quand on a mis en place, c'est mon prédécesseur et je le poursuis, les quartiers de reconquête républicaine, on a fait le choix effectivement de cibler des territoires. Les territoires les plus difficiles dans lesquels effectivement on concentre les moyens plutôt que d'imaginer qu'on puisse éparpiller. Vous savez que le gouvernement s'est engagé à recruter 10 000 policiers et gendarmes sous le quinquennat. 10 000, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est peu si je décide de mettre un demi-policier par commune de France ou un demi-gendarme pour les zones rurales. Donc l'idée, c'est effectivement de sectoriser et de pouvoir mettre un maximum d'outils, de moyens et de personnel. Et ce nouveau dispositif, il a à remplacer la ZSP, la zone de sécurité prioritaire ? Non, il va la compléter. Ce sont des moyens spécifiques, plus puissants sur la ZSP. La ZSP doit rester un outil au service de la police dans nos territoires. Merci beaucoup.